Et un autre secteur qui recrute énormément aujourd'hui sur ce village des recruteurs, c'est le secteur de l'industrie. Alors ça recouvre plein de métiers. On va en parler justement avec Vincent Rivoire, qui est de l'UIMM, qui est le syndicat qui regroupe en fait tous les métiers de l'industrie. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est très très large. Quels sont les métiers les plus recherchés aujourd'hui ici sur le village des recruteurs ? Alors aujourd'hui, on recherche principalement des métiers d'opérateurs, techniciens, techniciens supérieurs. Mais bien évidemment, on peut aussi trouver des ingénieurs. Donc voilà, tout public est intéressant. Donc on est heureux de les accueillir ici aujourd'hui. Vous avez des centaines, voire des milliers d'offres parce que vous avez du mal à trouver. Hein. Oui, sur la région, on est à peu près à plus de 15 000 offres d'emploi. Donc on a du mal à recruter, on a du mal à trouver des candidats, d'où des opérations comme celle-ci. On veut maintenant aller plus près des candidats, les rencontrer, leur parler de nous, leur parler de l'industrie aujourd'hui, ce qu'est l'industrie aujourd'hui, notamment dans notre région. Je rappelle que la région Auvergne-Rhône-Alpes est devenue la première région métallurgique de France. Donc voilà, on a tout intérêt à rencontrer ces candidats. Peu importe les niveaux de qualification, on peut les former, on a les moyens de les former, on a des outils pour ça, on a l'argent pour ça. Donc voilà, on est tout content d'être là pour trouver le maximum de personnes. Les rencontrer, parler à tous ces candidats des métiers de l'industrie, c'est l'occasion de tordre le cou à certaines idées reçues. On n'est plus dans les temps modernes. Voilà, aujourd'hui, l'industrie, c'est différent, quoi. Oui, bien évidemment. Heureusement que le monde évolue, le monde bouge. On n'est plus forcément sur du travail à la chaîne. Je parlais des temps modernes avec Charlie Chaplin. Voilà, c'est encore une image que certains ont des métiers de l'industrie. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Voilà, là aussi, on communique tout au long de l'année dans différents forums. Par le biais de vidéos, que ce soit sur YouTube ou de vidéos qu'on a là même aujourd'hui sur le stand d'entreprises, des entreprises qui se filment elles-mêmes pour dire venez nous rencontrer, venez voir ce que nous on sait faire, voilà, venez voir ce qu'on vous propose. Nous on est des fabricants, on fabrique des choses. Donc l'intérêt c'est d'expliquer aux gens ce qu'on fait, c'est utile. Tous les gens utilisent les produits que nous fabriquons. Donc c'est un avenir qu'on est en train de construire avec les personnes. Donc ce qu'on essaye de faire comprendre aux gens, c'est aux futurs collaborateurs, c'est tout cet intérêt de rentrer dans une entreprise pour un vrai projet. Ça fait partie des choses que vous leur vendez, justement, le sens du métier, le fait de produire tous les jours. On sait qu'il y a beaucoup de salariés, notamment les jeunes générations X, Y, Z, les millennials, qui sont en recherche de sens dans leur métier. Ça fait partie des choses que vous leur vendez. Oui, moi je suis issu d'une génération où on me disait plutôt comment faire les choses. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les jeunes, ils vous demandent plutôt pourquoi il faut faire les choses. Donc on doit s'adapter à ça. Hein. C'est à nous aussi de nous adapter dans les entreprises par rapport à cette nouvelle génération qui arrive, qui demande du sens à ce qu'ils font, ce qui est logique. Donc du coup, il faut leur donner un intérêt de pourquoi ils travaillent, redonner du sens à cette valeur du travail aussi, je pense, et s'inscrire dans une société en fait. Il y a le sens, il y a d'autres atouts hein, dans les métiers de l'industrie que vous leur vendez aussi, j'imagine. Sont les niveaux de rémunération, par exemple, qui sont particulièrement attractifs ? Ben nous sommes plutôt bien positionnés sur les niveaux de rémunération. On est sur une moyenne globalement de 35 000 kilo-euros par an, donc en brut. Donc ce qui est plutôt pas mal par rapport à d'autres secteurs. Ouais. On va pas les citer, bien évidemment. Le sait pas forcément. Oui. Donc c'est aussi les moyens de voilà d'être avec vous aujourd'hui pour le dire. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les conditions de travail. C'est pas que la rémunération, c'est ne pas oublier que quand on travaille dans une entreprise industrielle, on travaille avec des gens, c'est un collectif, c'est des équipes. Donc c'est des rencontres. On fabrique des clients, des collaborateurs, etc. C'est tout un ensemble. Les conditions de travail ne se limitent pas chez nous uniquement à la rémunération. C'est aussi l'intérêt de ce qu'on fait. Et c'est les perspectives d'évolution interne aussi. On peut démarrer chez nous tout à fait en tant qu'opérateur de production, évoluer parce qu'on va acquérir des savoir-faire. On peut évoluer après en chef animateur d'équipe, chef d'équipe, prendre des responsabilités. Une toute dernière chose, c'est vrai qu'on pense au métier de l'industrie, on pense aux ateliers, à la production, et on pense forcément beaucoup aux hommes.
ce que vous dites, c'est non, les métiers se féminisent. Aujourd'hui, les femmes peuvent venir nous voir sur notre stand ici. Pourquoi les femmes ne pourraient pas venir travailler dans nos métiers ? Je veux dire, il n'y a pas de raison intrinsèque que les femmes ne puissent pas venir chez nous. Aujourd'hui, c'est, dans nos entreprises, elles sont plutôt positionnées sur les métiers support de l'entreprise. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, même dans les ateliers. Il n'y a pas de raison qu'une femme ne puisse pas acquérir les compétences et puis venir travailler dans nos ateliers. Au contraire, nous, on est plutôt demandeurs de ça. Hier, vous avez des jeunes femmes qui sont venues vous voir sur vos stands On a des femmes, mais là, on est plus sur justement des femmes qui presque s'auto-censurent, qui se disent « Oui, mais moi, je veux bien venir chez vous. » Parce que dans une entreprise industrielle, il n'y a pas que l'atelier. Hein. Ouais. Heureusement, on a de la comptabilité, etc. Des commerciaux. Et donc, du coup, on leur dit « Mais ne vous auto-censurez pas. N'allez pas systématiquement sur ces métiers-là. Nous, c'est un collectif, une entreprise individuelle. » Merci beaucoup Vincent Rivoire, voilà, que vous soyez jeune ou moins jeune, homme ou femme, ne vous auto-censurez pas et allez voir l'UMM pour les métiers de l'industrie ici sur leur stand au village des recruteurs. Une interview à retrouver sur notre page Facebook et YouTube. Merci Vincent Rivoire. Merci.